des étapes et pour lesquelles vous devenez un investissement dans la notion de victoire, la nécessité d'une victoire qui est partagée par le fait qu'on a une base et quelqu'un pour le faire aboutir. Oui, clairement, le Nürburgring qui m'a toujours bien réussi, hein, globalement. Je veux dire, je ne vais pas dire que j'étais imbattable, mais j'étais quand même en général bien. C'est un circuit, nous dirons, qui me convenait. Est-ce que vous savez que dans ma jeunesse, j'ai roulé, j'ai fait deux fois les 86 heures du Nürburgring. Enfin, je vous explique quand même certaines choses. J'ai fait deux fois dans ma jeunesse, une fois pour Ford avec une Cortina Lotus, les 86 heures du Nürburgring, et une deuxième fois toujours pour Ford avec une Ford Mustang, qui était une course de régularité sur 86 heures, deux pilotes. Moi, je faisais le jour, Gilbert Stapler, qui était un... Gilbert Stapler, qui était le pilote rallye connu à l'époque en Belgique, faisait la nuit. Et donc, au bout de 82 fois 86 heures sur le Nürburgring, vous commencez à savoir, à connaître son environnement. Ça sert. Le mystère du Nürburgring, c'est aussi ces 17 sauts. 17 fois, soit les roues avant, soit les roues arrière, soit les quatre à des hauteurs qui sont, à mon avis, de 30-40 cm sûrement, sont faits par des monoplaces ou des protos qui ne sont pas vraiment faits pour faire du saut, en général. Mais c'est évidemment plus simple si vous savez où aller, mais ça m'a toujours bien réussi, Nürburgring, c'est vrai, globalement. C'était une performance exceptionnelle. Hein, oui. Qui a marqué. Oui, mais alors je devrais ajouter... Il y a un point commun dans les images que vous avez mis, ça et la Can-Am. Oui. Sur ce parcours-là, par exemple, je pense qu'on se retrouve avec... un petit peu avec Patrick Tambay, quelque part. Et le dénominateur que je veux y mettre, c'est celui qui a vraiment donné un cap à ma vie sportive, puisque je devais être jardinier. Je me voyais plus comme un jardinier ou comme un garde-chasse. Ce n'est pas une boutade, c'est une réalité. Franchement, je n'étais pas prédestiné à ce monde-là. Et ce n'était pas dans mes pensées, ce n'était pas un rêve de... J'avais côtoyé Fangio, petit garçon, tout ça, enfin, mais ça ne m'a pas fait rêver, franchement. Mais c'est Ken Tyrrell. Et entre Ken Tyrrell et Karl Haas, entre Nora Tyrrell et Bernie Haas, il y a... ce coaching dont on ne parle pas, le coaching aujourd'hui, vous pouvez devenir coach assez facilement. Enfin, à l'époque, ça n'existe pas, mais c'est l'accumulation de qualités qui font d'un homme comme Tyrrell ou Karl Haas un père, un coach, un ami. C'est bon de se savoir aimer, apprécier, pardonner. Et je parle des deux. Il y a aussi le couple. Karl Haas et Bernie Haas, c'est un couple dans lequel on retrouve le partage de la course automobile qu'a connu Patrick et que j'ai connu aussi. Quand je pense à Ken Tyrrell, je pense aussi à son épouse. Ouais. C'est familial. Ouais. C'est gentil, quoi. C'est... bienveillant. Oui, c'est bienveillant. C'est... voilà, là, 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 là.
Donc ce sont ce qu'on appelle des très jolies rencontres en dehors du résultat. Après, le destin, il vous pousse sur d'autres routes. Mais je regrette dans le fond qu'on ne soit pas mature plus tôt. Je regrette ça. Et dans le fond, je me demande si je ne suis pas encore aujourd'hui à rattraper le temps perdu. Et je trouve que c'est formidable de se souvenir de ceux qui vous ont accueilli. De ceux qui vous ont accueilli. Et Patrick soulignait cet aspect familial qui régnait chez Haas. Il en avait besoin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait de la Formule 1 de 68 à 79, par exemple. Je pense que j'ai rêvé, j'ai attendu le coup de téléphone de. J'ai erré pendant certaines années, ce que j'appelle un déclin où on se dit « Ah, c'est pas la bonne voiture, ah, c'est pas ci, c'est pas ça, mais ça va revenir peut-être, tout ça. »